Quelles sont les armées de l'Imperium? Qui sont ses défenseurs? Voici une petite introduction aux armées qui défendent l'Imperium de l'humanité. Les Space Marines. Il n'existe pas de théâtre d'opération où les Space Marines ne peuvent exceller, ni d'ennemis qu'ils ne peuvent surclasser, ni de périls qu'ils n'oseraient affronter. Ce sont les troupes de choc d'élite de l'Imperium, dont les campagnes fulgurantes sont conduites avec une brutalité si spectaculaire qu'elle leur a valu le surnom d'Ange de la Mort. Chaque Space Marine est une arme vivante d'une puissance remarquable. Grâce au génogerbe de son Primarque, à un psycho-endoctrinement qui accentue sa loyauté et le débarrasse de toute peur, et à une formation exhaustive au révéré Codex Astartes, chaque frère de bataille est un instrument de suprématie martiale. L'Adeptus Astartes bénéficie également de l'équipement le plus dévastateur que l'Imperium puisse lui offrir. Les pièces les plus répandues de l'arsenal des Space Marines sont les armes à bolt. Qu'il s'agisse de pistolets et fusils ou d'énormes bolteurs lourds et autres éléments plus ésotériques, ces armes tirent des missiles miniaturisés dont les esprits de la machine détectent le moment où ils ont pénétré la cible afin d'exploser. L'armure énergétique des Space Marines est tout aussi remarquable. D'une résistance peu commune, cerveau assisté et alimenté par une unité dorsale, les divers modèles d'armure énergétique offrent à leurs porteurs une panoplie d'autosens avancés et une protection comparable à celle d'un blindé léger. En outre, les modèles perfectionnés comme les armures MK10 ou les antiques plates Terminator permettent aux frères de bataille de remplir des rôles très spécialisés et de manier avec aisance un armement peu conventionnel. Ce ne sont que quelques exemples de l'arsenal à disposition des Space Marines, qui manient l'incinérateur à plasma aussi bien que l'épée tronçonneuse au nom de l'Empereur. Chaque chapitre Space Marine possède une vaste armurerie dans laquelle il peut puiser pour déployer des escadrons de chars d'assaut, transports blindés, véhicules de reconnaissance, intercepteurs aériens, escorteurs de transport, artillerie mobile et marcheurs lourds. Tous ont bénéficié des meilleurs standards de fabrication, et beaucoup sont anciens et vénérés par les dieux qui combattent à leur côté. La plupart des chapitres Space Marine disposent d'une flotte de combat pouvant acheminer leur compagnie à travers la galaxie. Ces vaisseaux brisent les blocus orbitaux et emploient des méthodes de déploiement rapides, comme des modules de largage ou de téléportation, pour déposer leurs guerriers au cœur de l'ennemi. Vitesse, précision et force écrasante sont au cœur de l'approche militaire des Space Marines. En dépit d'effectifs comparativement faibles, ils sont taillés pour le genre de mission dangereuse aux enjeux majeurs qui peuvent faire basculer la situation de zone de guerre entière. Une force de frappe de l'Adeptus Astartes peut ravager la structure de commandement ennemi. Elle peut faire taire des défenses orbitales au devant d'une offensive majeure, faire voler en éclats la ligne adverse avec un assaut blindé ou lancer une série de raids pour briser le moral de l'ennemi. Parfois, les Space Marines luttent aux côtés de vastes déploiements impériaux, se plaçant en fer de lance d'un groupe avant de partir pour la zone de combat suivante, en laissant les soldats ordinaires faire le ménage. L'Adeptus Astartes entreprend des missions qu'aucune autre force ne remplirait, comme pénétrer dans des Space Hulks pour nettoyer une infestation Xenos, ou combattre dans le vide spatial, voire en milieu trop pollué, irradié ou contaminé pour des humains normaux. Les Space Marines peuvent affronter des abominations qui auraient raison de la santé mentale des guerriers ordinaires, opérer pendant des mois derrière des lignes ennemies sans être repérés et tenir pendant des semaines face à des forces écrasantes sans ravitaillement ni soutien. Il existe des centaines de chapitres Space Marines, chacun avec leur propre champ d'honneur et histoire martiale. Or, tous font remonter leur lignée au chapitre de la première fondation, qui eux-mêmes ont été formés à partir du noyau des Legiones Astartes suite à l'hérésie d'Horus. Ces chapitres de la première fondation conservent les enseignements de leur primarque et leur ressemblent beaucoup en termes d'apparence, de personnalité et de tactique. Ce sont des institutions impériales dont le champ d'honneur s'étire sur 10 000 ans, et bien que certains frères de bataille soient tourmentés par des secrets ou des tares, chaque génération lutte inlassablement pour défendre l'Imperium qui lui a permis de naître. Les Ultramarines sont considérés par beaucoup comme les parangons du Codex Astartes. Où que leurs guerriers en armure bleue combattent, ils déclament et incarnent le cri de guerre de leur chapitre « Courage et honneur ». Tout aussi éblouissants ou prolifiques, les Imperial Fists, fils du Primarque Rogaldorn, ont été chargés de la protection de Terra, et ce sont des spécialistes de la polyurcétique qui opèrent dans toute la galaxie. Si les Imperial Fists ont une faiblesse, c'est leur refus obstiné d'accepter la défaite.
Les White Scars sont des chasseurs issus des plaines venteuses de Korogis, doués pour traquer et encercler leur proie avant de frapper à la vitesse de l'éclair avec une force irrésistible. Ces guerriers font preuve de ce qui pourrait être considéré par des étrangers comme une nature barbare, car ils sont réputés pour chasser l'adversaire comme du gibier, puis l'abattre sans merci. Natifs du monde volcanique de Nocturne, les Salamanders sont des guerriers doublés d'artisans talentueux, porteurs du marteau et de la flamme, qui pensent que les difficultés sont des épreuves qui forgent le caractère sur l'enclume des combats. Les Iron Hands proviennent du monde aride de Médusa. Fils du malheureux Ferus Manus, ils pensent que la chair est une faiblesse. Ces guerriers ont volontairement recours à des augmentations bioniques de fer et d'acier, et prétendent que la meilleure arme de l'Imperium est une logique froide et implacable. Depuis la lune de délivrance s'envolent les forces de la Raven Guard, fils génétique du pâle et mystérieux Korax. Ces guerriers emploient la furtivité, la subtilité et l'embuscade pour annihiler l'ennemi en compensant leur faible effectif et leur génogerme instable par des frappes d'une précision meurtrière. Ces chapitres sont, avec les Dark Angels, les Space Wolves et les Blood Angels, les premiers chapitres fondateurs dont descendent tous les autres chapitres Space Marine. Mais qu'il s'agisse de l'un de ces ordres vénérables, d'un chapitre successeur divergent ou l'un des chapitres primaris de la Fondation Ultima, tous sont les champions de l'humanité et livrent leur guerre au nom de l'Empereur. L'Adepta Sororitas. L'Adepta Sororitas rassemble les guerrières de la foi. Par le bolter et le fuseur, par le lance-flamme, la lame tronçonneuse et la dévotion, elle purge l'ennemi du champ de bataille au nom du credo impérial. Les sœurs de bataille excellent dans les fusillades à courte portée, fauchant l'ennemi sous des salves incessantes, tandis que leur hymne s'élève de par-dessus les cris des mourants. Nul n'est aussi pieux, n'a autant de foi que les sœurs de bataille. Ayant juré allégeance à l'Empereur dès leur plus jeune âge, elles ont été éduquées dans l'art de la guerre et endoctrinées par le credo impérial. Leur zèle en fait des guerrières féroces et résolues, ignorant faiblesse, peur et indiscipline grâce à une conviction absolue. Il n'existe aucune difficulté ni horreur que les sœurs de bataille n'endureraient de plein gré pour leur empereur Dieu, ravi de finir en martyr jusqu'à la dernière si leur sainte mission l'exige. En somme, l'Adepta Sororitas comprend les combattantes parmi les plus dévouées et compétentes de l'Imperium. Cette grande valeur martiale est démultipliée par l'accès à un vaste éventail d'équipements et à un entraînement draconien. Elle constitue la seule organisation militaire en dehors de l'Adeptus Astartes à faire un usage généralisé d'armures énergétiques, ce qui accroît leur résistance et leur permet de livrer bataille dans toutes sortes d'environnements hostiles. Elle manie la sainte trinité des bolteurs modèle Goodwin Days, arme à fusion et lance-flammes cracheur de Prométhium, ce qui les rend particulièrement redoutables dans les échanges de tirs à moyenne et courte portée. Elles ont également accès à un parc de véhicules d'assaut et de transport blindé dérivés du châssis de l'incomparable Rhino, qu'il s'agisse de l'Immolator cracheur de feu ou du terrifiant char d'artillerie exorciste. Les escouades spécialisées telles que les Rétributeurs, Dominion et Séraphim emploient des armes lourdes ou spéciales pour éliminer l'adversaire, voire rugissent vers la mêlée portées sur des ailes angéliques de réacteurs dorsaux ornementés. L'Ecclésiarchie fournit également des hordes de troupes de choc aussi étranges que fanatiques pour appuyer l'Adepta Sororitas. Des arco-flagellants font claquer avec frénésie leurs fléaux crépitants, des marcheurs alimentés par le tourment se frayent un chemin à travers l'ennemi à l'aide de lames de scie rombrissantes. De sinistres assassins cultistes de parc vénèrent l'Empereur par le meurtre, tandis que de loyaux croisés lèvent leurs pavois et avancent droit sur l'ennemi. L'Adepta Sororitas peut aussi compter sur des valeureuses commandantes et championnes pour les mener au combat. Il peut s'agir de prédicatrices enfiévrées, de sœurs hospitalières altruistes ou de canonesses expertes en stratégie, comme des spectres étranges et merveilleux tels que le Triomphe de Sainte-Catherine ou l'Angélique Sainte-Vivante Célestine, tombée au combat et ressuscitée à d'innombrables reprises au cours de l'histoire de l'Imperium. Ces derniers éléments témoignent de l'aspect le plus remarquable de l'Adepta Sororitas en tant qu'armée. Alors que les sœurs avancent au combat en scandant leurs prières, il semble que l'Empereur, dans son infinie bonté, leur réponde. Des tirs directs ricochent miraculeusement sur leurs armures ou ratent leurs cibles.
Les tirs des sœurs touchent des points faibles en défiant les probabilités, tandis que les lames ordinaires taillent à travers la protection épaisse de plusieurs pouces avec une facilité surnaturelle. Les hérétiques s'embrasent spontanément et des escouades de sœurs essuient des bombardements critiques sans une égratignure. Même leurs blessés se relèvent en dépit de plaies censément fatales pour reprendre le combat. Du point de vue de l'Adeptas Auroritas, ces occurrences ne sont que la preuve de leur foi et du divin pouvoir de l'Empereur Dieu. Pour les sœurs, il est naturel que la volonté du Maître de l'Humanité se manifeste de la sorte. Leur foi est telle qu'il leur paraît inimaginable qu'il en soit autrement. Ce n'est pas le cas de leurs alliés, qui se voient galvanisés par des miracles, ni de leurs ennemis, car plus d'une horde d'hérétiques a jeté ses armes et fui la terreur devant les sœurs de bataille et la volonté manifeste de leur empereur Dieu. Que l'ennemi choisisse de se battre ou de fuir, il n'a aucun échappatoire. Une mission de l'Adeptas Auroritas possède à elle seule l'effectif, la puissance de feu et la fureur nécessaires pour balayer l'ennemi à une vitesse stupéfiante. Les sœurs de bataille se déploient généralement en grand nombre. Des commanderies entières s'abattent sur des mondes ennemis à bord d'immenses vaisseaux de largage et clésarchiaux appelés catadromes d'invasion. À l'atterrissage, ces structures colossales balayent les environs avec des macro-lance-flammes et des jets d'eau bénite sous pression. Un plein chant assourdissant jaillit de leur lodafone tandis qu'autour d'elles, les terres souillées de l'ennemi brûlent et sont submergées. Alors même que les flammes dansent plus haut et que des torrents d'eau bénite inondent les rues, les rangs et escadrons pléthoriques de l'Adeptas Auroritas débarquent de leur vaisseau pour entamer la purge du monde cible. Confronté à une telle force d'invasion, l'ennemi réagit tel des bêtes sauvages effrayées par un feu de forêt. Lorsque des dizaines de catadromes s'abattent, portées par des ailes de feu pour consteller la surface de la planète, les armées de conquête et de resacralisation font trembler le sol sous le martèlement de leurs bottes et de leurs canons. Contre un tel déferlement de puissance martiale et de zèle indéfectible, l'ennemi hérétique n'a aucune chance de survie. Chacun des ordres militants de l'Adeptas Auroritas s'est doté d'une approche martiale particulière. Les sœurs de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs, par exemple, ne se soucient guère de leur vie et luttent jusqu'à ce qu'elles ne restent plus que des ruines devant elles. L'ordre du cœur valeureux, quant à lui, glorifie à tel point le stoïcisme et l'endurance que ses sœurs peuvent ignorer les blessures les plus graves. Cette capacité de survie surnaturelle a remporté maintes batailles par leurs souffrances sanctifiées. L'ordre de la Rose de Sang canalise sa ferveur agressive sous forme d'assaut inexorable contre le front adverse, tandis que l'ordre du Suaire d'Argent fait pleuvoir sur l'ennemi une grêle de tirs si dévastateur que rien ne peut se dresser devant les bouches de ses canons et survivre. Maints autres ordres militants sont dispersés à travers le domaine de l'Empereur, chacun constituant une redoutable force spécialisée qui mène une guerre sainte contre de nombreux ennemis. Adeptus Custode, la Légion d'Or. L'Adeptus Custode fut le premier corps de super-soldats créé par l'Empereur. Chacun de ses membres est un guerrier d'une force et d'une résistance surhumaine, un stratège et un tacticien rivalisant avec les plus grands généraux. Ce sont des parangons de légende quasi immortels qui ne reculeront devant rien pour défendre l'Empereur et son monde trône. Dans une galaxie aux âmes innombrables, l'Adeptus Custode en compte bien peu. Ses effectifs n'ont jamais dépassé 10 000 guerriers et sont la plupart du temps largement inférieurs à ce nombre. Toutefois, un seul garde custodien est l'équivalent d'un régiment entier de soldats ordinaires. Les secrets de l'alchimie génétique responsables de leur création sont parmi les mieux gardés de l'Imperium. Chaque cellule du corps d'un garde custodien déborde d'une vitalité et d'une puissance incroyables qui lui confère la vitesse, la résistance, la force, l'intellect et l'immortalité fonctionnelle d'un dieu de la guerre. Une fois les guerriers de l'Adeptus Custode équipés d'armes et d'armures en noramite et réunis en compagnie rempart, il n'est de quête qu'ils ne sauraient accomplir, ni d'ennemis qu'ils ne sauraient vaincre. À l'époque de la Grande Croisade, puis de l'hérésie d'Horus, ces guerriers étaient connus en tant que Legio Custode. Leur devoir consistait à servir en tant que compagnons de l'Empereur et de le protéger à tout prix. Ce fut pour cette raison qu'ils furent créés, mais quand Horus blessa mortellement l'Empereur, la Legio Custode faillit à son devoir. Après ce drame, les gardiens de l'Empereur devinrent l'Adeptus Custode et passèrent des milliers d'années à veiller sur le palais impérial.
drapée du noir du deuil. L'Adeptus Custode sert toujours en tant que garde du palais impérial. Or, tandis que le passage des années atténuait la douleur de leur échec, les custodiens ont admis que la façon la plus sûre de protéger Terra était de prendre les devants dans la lutte perpétuelle contre les mains ennemies de l'humanité. À cette fin, beaucoup de leurs hostes remparts opèrent à présent dans l'espace impérial. Guidés par la divination psychique et les renseignements glanés par les agents appelés les yeux de l'Empereur, les guerriers de l'Adeptus Custode frappent sans prévenir. Leur bataille les font oxyres, démagogues et seigneurs de guerre qui pourraient lever des forces d'invasion contre Sainte Terra. Ils capturent d'antiques artefacts ésotériques dont l'existence menace le trône et les ramènent en secret sur Terra pour les enfermer dans les cellules noires des sous-sols du palais. Ils veillent sur les champions en devenir jusqu'à ce que ceux-ci atteignent leur plein potentiel, font des exemples terrifiants de ceux qui menacent la sainteté du monde trône et débusquent des périls cachés si diaboliques que même l'Inquisition ou l'Officio Assassinorum seul ne pourraient assurer leur destruction. Ainsi, l'Adeptus Custode sert d'arbitre ultime de la volonté de l'Empereur et réunit ses protecteurs les plus assidus et efficaces. Au combat, les hostes remparts sont résolument inexorables. Des escouades de guerriers couverts d'oramites piétinent l'ennemi. Leurs lances, épées et haches crachant des salves de bols tandis que leurs boucliers Storm dorés dévient des tirs et des lames dirigées contre eux. Chacun se taille son propre chemin à travers l'ennemi pour allonger le titre honorifique inscrit sur les plaques internes de son armure. Les hostes remparts déploient une technologie militaire remontant à l'âge d'or de l'Imperium, dont d'antiques chars Land Raider, des Dreadnought Contemptor et des motojets Dawn Eagle, qui ouvrent des plaies béantes dans les lignes adverses. De courageux custodiens à la russe, enjoncés dans de magnifiques armures Terminator, se téléportent au centre de l'opposition, avant de se séparer tels des lions en chasse et de déchirer le cœur de l'armée adverse. Où que frappe l'Adeptus Custode, les ennemis tombent à un rythme horrifiant, tandis que la riposte adverse se révèle vaine. Tel est le sort de ceux qui osent se dresser contre le pouvoir ultime du trône d'or. Ils ne reçoivent qu'une mort rapide et sanglante, administrée par des géants impitoyables. Un avertissement adressé à tous ceux qui pourraient envisager de commettre la même erreur fatale. Les guerriers de l'Adeptus Custode combattent parfois aux côtés des Sœurs du Silence au sein des forces combinées appelées Serres de l'Empereur. Aussi connues sous le nom de Dames du Néant ou Paria, ces chasseuses de sorciers sont nées sans âme, ce qui les rend insensibles au pouvoir psychique. Ainsi, la sororité silencieuse est-elle capable de neutraliser la sorcellerie des ennemis de l'Empereur avant de les massacrer de ses bolteurs ou de ses espadons ? L'Adeptus Mechanicus, le clergé de Mars. L'Adeptus Mechanicus emploie des armes étranges dotées d'une technologie occulte et d'une puissance phénoménale. Il constitue un adversaire agressif, implacable et terrifiant, car il prise la connaissance avant toute chose et versera sans hésitation des océans de sang, celui de ses troupes comme de l'ennemi, dans ses perpétuelles quêtes de savoir. Telle est la volonté de l'Omnimessie, et ses prêtres ne reculeront devant rien pour qu'elle s'accomplisse. Une armée de l'Adeptus Mechanicus sur le terrain est-elle une grotesque procession religieuse? Des serviteurs monotaches cheminent sous les cyber-chérubins ailés, emportant des encensoirs où se mêlent les huiles sacrées et pétrochimiques. Des rangs interminables de cyborgs Skitari marchent inlassablement jusque sous les canons ennemis, ou sont embarqués sur des glisseurs Scorpius en chantant des hymnes à la gloire de l'Omnimessie, tandis que les carabines à radium et leurs fusils galvaniques aboient et claquent. Des électroprêtres nimbés d'éclairs crient avec l'énergie de la force motrice tandis qu'ils se ruent au combat, où les coups de leurs armes drainent la bioélectricité de leurs victimes, ou l'amplifient et la redirigent avec des résultats explosifs. Des cyborgs assassins d'élite rôdent dans les ombres, taillant à travers les protections adverses avec leurs lames acérées et leurs serres mécaniques, et déchaînent un bombardement neurostatique qui laisse impuissant l'ennemi le plus redoutable. Derrière ces rangs serrés de soldats saturés dogmétiques avancent des manipules de robots, d'antiques constructs cybernetica mus par des moteurs cliquetants.
Ces reliques ambulantes inspirent une ferveur farouche aux fidèles de l'Omni-Messie, car elles incarnent tout ce qui est sacré pour le clergé de Mars. Chez l'ennemi, elles n'instillent que la terreur lorsqu'elles apportent le champ de bataille, en lâchant des salves de tir avant de réduire les survivants en charpie avec leurs énormes poings cerveaux assistés. Des chars quadrupèdes avancent dans le feu des combats, tout en lâchant des décharges d'énergie et de nuages de micromissiles sifflants. Des bipèdes de cavalerie longent à grandes enjambées les flancs ennemis, un étrange amalgame de technologies et de greffes de serviteurs servant de monture à des cuirassiers Skitari. De lourdes unités chenillées broient os et décombres, appuyées par des serviteurs cataphrons, dont les optiques scrutent l'ennemi tandis que leurs cogitateurs cérébraux définissent des solutions de tir, puis font parler les armes à énergie dévastatrices. Pendant tout ce temps, les technomagies rôdent parmi les rangs serrés de leurs subalternes, en donnant des ordres ou en déchaînant un armement prodigieux. D'autres prêtres supervisent chaque bataille depuis le macro-barge en orbite. Des datacables leur permettent de diriger les fidèles de l'Omni-Messie comme les marionnettes suspendues à des fils numériques. Les plus terrifiants de tous sont les diverses machines de guerre lâchées par l'Adeptus Mechanicus sur leurs infortunés ennemis. D'immenses chevaliers affiliés au clergé de Mars arpentent le champ de bataille. Leurs nobles pilotes scandent les hymnes de données à la gloire de l'Omni-Messie tout en tirant des salves dévastatrices. Plus formidables encore sont les Ordinatus de la taille d'Abdblock, tandis que les éléments les plus énormes de l'Adeptus Mechanicus sont les machines divines des Légions Titaniques. Si ces cuirassiers terrestres foulent la surface du planète et que leur ombre s'étire sur son sol, la fin des ennemis de l'Omni-Messie est assurément proche. Bien que techniquement, l'Adeptus Mechanicus doive fidélité à l'Imperium, en pratique, ces macroclades ne vont généralement en guerre que pour servir les desseins des technoprêtres. Ceux-ci sont aussi tortueux qu'incompréhensibles pour quiconque ne partage pas la foi en l'Omni-Messie. Toutefois, en leur cœur, l'avidité règne aux dépens de tout le reste. Les planètes de l'Adeptus Mechanicus sont appelées Mondeforge, dont Mars est le plus ancien et grandiose, qui sont chacun un super complexe manufacturier à la capacité et à la puissance inimaginables. L'industrie de l'Adeptus Mechanicus demande toujours plus de matières premières, et il n'est pas rare pour les Skitari de mener campagne en quête de gisements d'hydrocarbures, de minerais et d'autres ressources à piller. Toutefois, aux yeux de l'Adeptus Mechanicus, les matières premières ont une valeur bien moindre que celle du renseignement. Les adorateurs de l'Omni-Messie pensent que tout savoir, biologique, technologique, chimique ou autre, appartient de droit aux dieux machines et à ses fidèles. Il arrive ainsi que des mondes forges lancent de vastes croisades interstellaires afin de retrouver des banques de connaissances scientifiques ou de technologies militaires, ou abandonnent les besoins de l'Imperium si une opportunité de ce genre devait se présenter. En effet, les intérêts divergents de l'Adeptus Mechanicus l'ont parfois amené à déployer ses armées contre celles d'autres factions de l'Imperium au fil des millénaires, voire à dresser un monde forge contre l'autre. Si le clergé de Mars n'est pas aussi indispensable au maintien du domaine de l'Empereur, une guerre ouverte aurait sûrement éclaté entre Terra et lui, et le sort de l'humanité aurait été depuis longtemps scellé d'une façon ou d'une autre. Mais, en l'occurrence, l'Imperium a besoin des disciples du dieu machine et vice-versa, si bien que l'alliance précaire perdure entre les deux parties. Au fil des millénaires, divers Mondeforges se sont distingués par leur philosophie ou leur approche martiale, souvent influencés par la technologie dans laquelle ils se sont spécialisés ou leurs ennemis les plus récurrents. Les technoprêtres de Ryza, par exemple, ont longtemps défendu leur monde contre une invasion d'orques, au point d'être devenus experts dans la lutte contre ces xéno-brutaux. Les dévots du monde forge de Metallica méprisent toute forme de vie biologique et aspirent à leur éradication, tandis que le monde forge de Lucius affiche une technologie si avancée qu'il peut téléporter des machines de guerre super lourdes en plein combat. L'Astra Militarum, la garde impériale. L'Astra Militarum est une formidable machine de guerre façonnée à l'échelle galactique. Pour le domaine de l'Empereur, c'est à la fois le bouclier de chair et d'os et un maillet inexorable avec lequel écraser ses ennemis. L'Astra Militarum ne connaît guère de subtilité dans l'application de la force, mais sert néanmoins l'Imperium depuis 10 milliers d'années.
Être un soldat de l'Astra Militarum, c'est être un des individus les plus négligeables parmi des milliards d'autres. C'est être arraché à tout ce que l'on connaît et consigné à une vie de bataille, généralement courte, sur des mondes étrangers, contre des créatures issues de ses pires cauchemars. C'est affronter des ennemis monstrueux armés d'un entraînement rudimentaire, d'un équipement produit en masse et d'un mince bouclier de sa foi. C'est connaître les épreuves, l'horreur et la désespérance. C'est vivre toutes ces affreuses expériences et combattre malgré tout. Tel est le courage de l'Astra Militarum qu'il ne faut pas sous-estimer. Dans une galaxie de terreur, ceux qui tiennent bon et luttent pour leur espèce sont tous des champions. Les forces de la Garde Impériale ne bénéficient certes pas de super soldats d'élite ni d'armes techno-surnaturelles, mais elles disposent d'une puissance de feu considérable et d'un effectif écrasant. Les armées de l'Astra Militarum se caractérisent par d'innombrables régiments d'infanterie, de fers de lance mécanisés, de colonnes de blindés vrombrissantes, des psykers de combat, des compagnies de soldats à but humain, des batteries d'artillerie mobile tentaculaire, des escadrons d'appareils de combat à faire noircir le ciel et de machines de guerre super lourdes de la taille de forteresses ambulantes. Ces forces sont déployées en vagues, leurs officiers aboyant des ordres via d'assourdissants corps vox, tandis que des prêtres régimentaires servent de sermons enflammés qui galvanisent les vétérans comme la bleusaille. Lorsque les armées de l'Astra Militarum font feu, l'apocalypse se déchaîne. Des milliers de fusils laser strient l'air de fureur cinglante, tandis que les pièces d'appui lâchent une grêle de bolts, de missiles anti-chars et d'orbus de mortiers sifflants. Des décharges de plasma et des détonations thermiques creusent des cratères dans les lignes adverses, tandis que des roquettes et ogives de la taille de chars s'abattent en projetant des éclats de roches et des corps disloqués. Ce bombardement impitoyable annihile les adversaires les plus résistants. Les assauts ennemis se heurtent à des contre-attaques de fers de lance blindés ou sont submergés par un afflux de gardes impériaux utilisés comme chair à canon. C'est une façon horrible de faire la guerre, un massacre anonyme qui explique que la plupart des soldats de l'Astra Militarum ne survivent pas à leurs 15 premières heures de combat. Pourtant, l'Imperium a gagné ainsi d'innombrables conflits au fil des millénaires, et si l'humanité a bien un atout, c'est le flux quasi inépuisable de recrues pour alimenter son effort de guerre vorace. Les batailles livrées par la garde impériale ne sont cependant pas toutes cataclysmiques. L'histoire de l'Imperium est jonchée de récits de petites bandes de soldats livrant un héroïque dernier carré, de commandos se glissant derrière les lignes ennemies pour assassiner des chefs de guerre hérétiques, ou de convois blindés traversant un territoire adverse pour porter un message vital. Des escadrilles exécutent des frappes précises contre des bunkers de commandement, ou se frayent un passage à travers des cieux hostiles pour détruire des ponts ou des génératoriums. Des pelotons d'infanterie sans appui ni logistique font la chasse aux prédateurs Xenos dans les réseaux de tunnels ou des ruines. Presque tous les mondes de l'Imperium doivent fournir une dîme de recrues à l'Astra Militarum. Comme les soldats sont issus d'environnements planétaires très divers, chaque groupe possède sa propre culture, ses dialectes locaux, son style vestimentaire et ses spécialités martiales. Certaines de ces compagnies sont devenues célèbres pour leurs exploits ou leurs exactions. Les gardes de la jungle de Katachan, par exemple, sont réputés pour leur opiniâtre capacité de survie et leur expertise de combat sur les mondes hostiles envahis par la flore. Les soldats de Mordiane sont connus pour leur discipline de tir, ceux d'Armageddon pour leur infanterie mécanisée, tandis que les hommes et femmes de Cadia sont considérés comme les plus courageux et déterminés des guerriers de l'Astra Militarum. La Schola Progenium. Divers régiments et organisations d'élite appuient l'Astra Militarum sur le terrain. Les recrues de la plupart d'entre eux sont issues de la Schola Progenium. Cette institution s'étend dans tout l'Imperium, où ces Scholam fortifiés recueillent les fils et les filles des officiers impériaux tués. Il ne s'agit cependant pas d'un acte altruiste. Dès l'instant où ils deviennent pupilles de la Scholia Progenium, ces jeunes sont soumis à un entraînement exténuant. Ils sont totalement endoctrinés dans la foi impériale et formés aux arts de la guerre par des instructeurs qui préfèrent mutiler, voire tuer leurs élèves plutôt que de souiller l'Imperium d'une quelconque faiblesse. Les recrues féminines sont généralement destinées à rejoindre les ordres militants de la Delta Sororitas, tandis que la majorité des diplômés masculins sont orientés vers le Militarum Tempestus. Soumises à un entraînement et à un conditionnement rigoureux, dotées d'une loyauté fanatique,
Ces troupes de choc, constituées des meilleurs soldats humains non augmentés de tout l'Imperium, ont remporté d'innombrables victoires par leurs assauts aéroportés. Par ailleurs, les individus les plus rigoureux et portés sur la discipline intègrent quant à eux le commissariat. Vêtus de manteaux noirs et de casquettes militaires, ces officiers arpentent les lignes de l'Astra Militarum à l'affût du moindre signe de couardise ou de faiblesse. Et ils n'hésitent pas à faire des exemples de tous ceux qui manquent à leur devoir, généralement d'un bolt dans le crâne.